Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Spyro 2. Nous sommes arrivés dans la toundra hivernale. Regarde, tu ne peux pas casser ce truc. J'espère que tu n'es pas trop triste. J'arrive même pas à tuer un petit pingouin. Mais c'est normal, les pingouins c'est les pires ennemis du Spyro. Alors gros sou, la situation est la suivante. Tu as été expulsé de ton palais, j'ai tout vu. Que je peux t'enseigner. Ah. Comme c'est la plus précieuse, elle n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée. J'ai de l'argent. Un 1000 rubis. Le front, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de sauter et d'appuyer sur la touche triangle. Ah. Tu verras que la charge de front te permettra d'effectuer certaines actions impossibles auparavant. N'oublie pas. Tu m'étonnes. Mais pourquoi c'est toi qui me les apprends? T'es pas un dragon? Bonne chance. Ah bah tu sais pas, tu ne savais pas que les ours et les dragons avaient plein de choses en commun? Ah bah justement, je parlais de ça. La charge de front. Eh oui, de front, parce qu'il utilise sa tête. Là ça marche pas parce que je suis pas dessus, je suppose. La charge de front. Oh bah. Oh bah. Très bien caché, hein, cette première boule. Mais oui, mais c'est pour t'enseigner la charge de front. Je vais me balader un peu avant de faire des niveaux. Oh, je peux pas passer tranquillement. Inadmissible. Et hop. Par contre, c'est payé parce que je vais avoir plein de joyaux à récupérer comme ça. Non, je pense que c'est que dans le hub qu'il y a ça. Hein. Après, c'est des petits trucs genre, oui, mais genre je parle ça. Quand même de ça, hein. C'est pénible. Hop. Point, 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 point. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ça du genre, oui, alors tu peux apprendre une technique, mais elle est dans le monde suivant. Oui, non, mais ça, c'est mais non, mais tu vois, c'est pour créer un truc, tu vois, comme ça, t'as un intérêt à retourner dans les niveaux après, tu vois, genre, tu les fais, mais en fait, tu fais pas tout d'un coup, comme ça, t'en restes un peu pour la prochaine fois. Le plaisir! C'est pas un plaisir, c'est une perte de temps. Mais non! Donc, okay. C'est pas t'amuser, c'est tout. Te suscite pas, c'est tout. Ah, tu as tué le pingouin, c'est tout. Pas toujours dire c'est tout. Hein. Ce n'est pas tout. J'ai pas oublié. Non, je n'ai pas oublié. Inquiète. Oh là là là. Oh, il y a le professeur, il va t'apprendre des trucs. On a fait le circuit de glace dans le monde précédent, c'est bizarre. Oui, 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 non, mais. cherche pas. Il y avait un niveau de glace aussi dans le précédent monde. Oui, je sais. C'est déjà rassurant de voir le nombre de boules que tu as réussi à rassembler. Mon portail ultra moderne t'amènera au temple des nuages. Ah. Moi je ne te conseille pas ce niveau. Ah. Est-ce qu'il y a un mini-jeu pénible dans ce niveau? Ah oui, comme c'est toujours moi qui fais les mini-jeux pénibles, je t'en laisse un peu. C'est ça. Mais en fait, tu me dis ça, mais moi comme je connais pas le jeu, je te crois et tout. En fait, ça, justement, ce monde il est sympa. Non, je t'assure, il est pénible, il est peut-être sympa, mais il y a vraiment un mini-jeu pénible dans ce truc. Genre le mini-jeu le plus pénible de Spyro 2, en fait. Donc, est-ce que tu veux avoir une bonne interprétation de... Oh, il y a trois boules. Ouais, je sais, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'était pour voir l'animation du portail. Est-ce que tu veux un bon ressenti sur Spyro 2 et mal en fait pas ce niveau. D'accord. Je vais prendre ton conseil. Même si ça veut rien dire, je crois. C'est pas grave. Ok. Donc là, je me souviens d'un monde. Mais je me souviens pas de ce qu'il y avait dedans. Tu vois. Oh, ah, purée, j'espère que t'as pas eu mal, là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est utile, c'est au cas où t'as la flemme de monter les escaliers. Tu vois, ils te font un truc comme ça. Mais décidément, vous aimez bien me mettre des trucs de la plaine automnale partout. Non, me parle pas. Tu as un nombre suffisant de boules. La défaite de Ripto est proche. Ah bah si c'est bon, on peut finir le jeu maintenant. Pourquoi vous m'avez emmené ici, hein? Va battre Ripto. Allez Sparks, je crois que j'ai déjà oublié. Voilà. Oh, ah oui, non mais les escaliers de la mort. Oh là là là, mais même pour n'importe qui, ça doit être pénible. Regarde, non, mais je tombe pas. Tout seul. Moi je ne sais pas qui est l'architecte d'Avalar, mais je ne sais pas pour qui il a conçu ces escaliers. Pour des géants, j'ose admettre. Mais même les géants, attends, c'est terrible, les marches sont beaucoup trop petites. Qu'est-ce que c'est que ça? Un passage qui te mène vers le vol. Je vois que tu as appris la valeur des boules, Spyro. Ce sacré portail devrait fonctionner parfaitement grâce à ton impressionnante collection. Merci, monsieur. Merci. Ah non, c'est un autre monde. Métropolis. J'ai dit que j'avais déjà donné pour le métro. C'est le monde de Superman.
Je vois que ça brille. J'espère que t'es contente. Là, c'est le circuit. Moi, je te dis, ça, c'est le circuit. Je suis obligé. Oui, je suis obligé. Il va bien falloir que je fasse un monstre. Un monde à un moment. La ferme robotique. Robotica. Moi, je veux bien aller dans la ferme Robotica. Mais d'abord, je veux récupérer ce truc. Ah, surtout que maintenant, tu peux tout faire, quoi. Parce que t'as déjà tous les... Regarde ça. Une boule, ok. Merci. Bien joué, bien joué. C'était pas trop dur, j'espère. Non, ça va. Magnifique. J'ai toujours pas récupéré tous les joyaux. Non. Bon, allez, on va aller dans un monde. Ce qui est un endroit où t'es pas descendu, en fait. Ah. C'est pas grave, tu me le laisses pour moi. Non, mais comme ça, on a un... La moitié, un nombre moitié. De joyaux qui finit par 5. Oh purée. Oh purée. Je sais pas si j'aurais vraiment dû venir là. Des abeilles humaines. Oh mon dieu. Ouais. Oh bah. Alors, dans ce cas-là, tu vas aider les fermiers ou les abeilles? Non. Mais c'est une abeille géante. Eh, t'as vu, j'ai pas dit que c'était une mouche. J'espère que t'es content. Ah, on va aider lui. Salut, Spiro. Notre ferme a été envahie par des bestioles. Trouverais-tu du temps pour nous aider? Tu vois, c'est même pas des abeilles, ce sont des bestioles. Non, je peux dire que c'est des mouches alors. Oui, tu peux dire que ce sont des mouches. Un chemin jusqu'à cette lampe géante anti-insecte et allume. Mais elle est violente là, derrière, elle arrête pas d'envoyer des barils qui explosent. Je sais pas trop ce qu'elle fait, l'autre par contre, celle qui est devant là, elle bouge. Alors qu'est-ce que tu penses d'aider des robots? Oh, attends, du popcorn! Je veux prendre ça. Vas-y, jette du popcorn. Attends, je vais me faire tuer avant, tu vois. Ouais, mais elle te tire des missiles dessus. Non, ce sont d'art, c'est pas des missiles, tu dis n'importe quoi. Tu peux le manger ou pas? Regarde. Il y en a pas une, là-haut? Parce que bon, c'est bien doux, ça. Ah non, d'accord, ils m'en donnent parce qu'ils sont gentils. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est le générateur de popcorn. Non, tu dois te frayer un chemin à travers les... Bon. Mais vous êtes un peu des dinosaures, quand même. Bah écoute, c'est des abeilles dinosaures mouches. Incroyable. Mais quelle chimère. Regarde les carottes robotiques. Miam miam. J'aurais dû aller à Métropolis. Tu préfères le métro finalement? Non mais je sais pas, mais cet endroit il est un peu glauque. Ah lui, tu vas le tuer avec la charge de front. Ah. J'ai raté du coup. Regarde, de lui il est prêt là. Oui, il est prêt à t'assassiner. Pas de popcorn. Voilà. Ok, t'as pas besoin de popcorn pour tuer une petite mouche comme ça, t'as rien du tout. Mais bon, je me souviens plus trop de ce niveau, je me souviens bien de Métropolis et de l'autre, mais alors lui... Est-ce que Métropolis m'aurait plu? Je pense pas. Ah. Non, franchement, les derniers mondes de Spyro 2, c'est genre les pires en fait, genre les moins intéressants, tu vois. On va passer vite fait alors. Et ça, ce sont des carottes géantes du coup? Robotique. C'est important. Tu vas le tuer comme ça sans aucun scrupule. Écoute. Tu l'as tué en traître, en lâche, il ne t'a pas vu. Lui, il vivait sa vie tranquillement, si ça se trouve, tu vois, c'était lui le gentil. Ah oui, je sais, mais c'est pas lui qui m'a parlé en premier, alors tant pis pour lui. Tu vois, lui, tout ce qu'il voulait, lui, c'était avoir cette collection de carottes robotiques rien que pour lui. Regarde, attention, tu vas te faire tuer par le moulin. Tu penses qu'il tue le moulin? Oh mince, je pensais que, sincèrement, que ce truc... Bon, tu te retournes. Attention, tu vas te faire shooter dedans par un dard de la mort. Jamais. Ça va, tu ne l'as pas vu. Il ne l'a pas vu non plus, lui, en fait. Ça va. Ah, ça y est, il va faire un combat de la mort. Oh, il m'a eu. Ah, c'est difficile. J'ai gagné. J'avoue quand même que c'est monstre. Hein. Je pense que si c'était eux qui t'auraient parlé, je pense que t'aurais pas trop accepté. Attends, là, il y a un truc. Oh, des joyaux à gauche. Oui, j'ai vu. Oh, d'accord. Et là, j'ai tout cassé, en fait. Poing. J'espère que j'ai bien récupéré tout. Oh oui, t'inquiète. Bon, il va falloir... Au pire, tu retourneras au début du rapide. Niveau. La mouche de la mort. Mais c'est difficile. Ah voilà. Est-ce que c'est un chemin là ou c'est juste pour faire joli? Ça a l'air d'être un chemin.
Et en fait, non. Okay. Oh, regardez, un petit mur invisible. Invisible, là, quand même. Hein. Oh oui, tu peux passer, mais non, mais faut pas trop rigoler, quand même. Hein. Je vais avoir besoin d'un popcorn. Je sais pas pourquoi, mais ok. Hein. Cherche-le, prends-le. Chéris-le. Attends, je l'ai mangé? Ah non, je me disais aussi. Miam, 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 miam. Tu vois, c'est encore pour faire un truc comme ça. C'est fait exprès. Sinon, c'est trop dur, quoi. Incroyable, je ne sais pas sauter au-dessus des barils. Que dois-je faire? Je n'ai pas joué à Donkey Kong. Je ne sais pas, moi. Oh, t'as gagné une vie, j'espère que t'es contente. Ah, j'ai récupéré ma vie. Non, mais c'est plus joli d'avoir 20 vies que 19, tu vois. Ah oui, c'est parce que c'est un 2. Et toi, t'aimes les deux. On pourrait faire des mauvaises blagues en disant que tu n'as jamais participé à la guerre de Troie, mais... C'est un peu bizarre, quand même, comme blague. Ouais, ouais, je sais. Allez, sauvegarde ta progression. Il était temps. C'est très important. Mais attends... Oh mince! Et pourquoi j'avais récupéré un popcorn, du coup? Il y en a un autre, je sais. Je sais pas pourquoi il est mort, mais il est mort. Et c'est tant mieux. Ok, comment tu montes là-haut? Tu montes pas. Puis la caméra, elle veut pas que je vise là. Tu montes pas. Bon, on ira plus tard. Y a pas autre chose ici? Mais non, on dirait pas que je puisse venir plus tard. Tu dois shooter dans les trucs avec le popcorn. Mais c'est bizarre, les joyaux, ils vont rester là-haut. Mais je peux pas monter même en appuyant sur tous les boutons rapidement. Bon, déjà, on va manger ça. Mais même, je veux dire, ça a aucun sens que je leur tire dessus. Je pourrais pas les récupérer. Bah, c'est le pouvoir du monde, alors. Ah! Bon, bah, j'ai raté. Donc, tu vois, par contre, tu vois, c'est des fermiers robotiques qui cultivent des trucs robotiques, mais ils ont quand même des moutons organiques. Hein, c'est bon, faut pas rigoler. Ah, tu crois que ce sont leurs moutons? Ah, tu penses que c'est des moutons qui se baladent comme non, ça? Je pense que ce sont des moutons sauvages. Pourquoi je veux à tout prix foncer? Pourquoi Spyro, il fait des mouvements aussi larges quand j'appuie sur gauche et droite? J'ai pas l'impression que toi, quand tu joues, ça le fait. Ah bah, je sais pas. Regarde, hop, j'ai juste touché un petit peu et hop, c'est parti. Oh là là, c'est difficile. C'est parce que je sais gérer Spyro, tu vois, et sa tendance à l'alcool un peu trop forte. Waouh, vous voyez plus. J'ai l'impression que tout se ressemble, du coup j'ai pas l'impression de progresser, j'ai l'impression de... Attends, et du coup le popcorn il te permet de détruire les trucs ou pas? Tu parles des scarabées que je viens d'exploser? Non, non, ça alors. Ah, même pas. Poing, poing. Non mais c'est pour casser ça, regarde. Magnifique. Je peux même pas faire ça, alors que j'ai la charge de fond super. Génial, de la mort. Oh, les flashs bleus là dans l'eau, pourquoi? C'est pour dire que c'est électrifié. Ah là là, tu n'as rien compris. Pourquoi t'as pas papillonné? C'est dur de papillonner. Vous allez me dire que je peux pas passer? Le pouvoir, en fait, c'est voler. J'avoue que là... Non mais les popcorns, ils servent vraiment à rien. Je sais pas trop à quoi ils servaient, lui, là, mais... Oh! Il est même pas gênant, il est placé comme ça de façon aléatoire, le gars il est là, bon, hein. Bonjour. Eh mais c'est vraiment long en fait. Bon, je veux pas aller ici maintenant. On va faire les choses dans l'ordre parce que sinon je vais oublier des trucs. Genre c'est Ruby. Tu trouves qu'il avait la tête d'un Ruby? Bah oui, bien sûr. Mais pourquoi il est mort deux fois? Je lui ai craché du feu qu'une fois, hein. Oh, pour monter dans ce moulin. Attends, bah déjà on va parler... d'abord on va récupérer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un épouvantail? Je sais pas. Ces satanistes oiseaux se fichent pas mal de mes épouvantails robotisés. Ah, c'est un épouvantail robotisé. Carrément. Et va enflammer les oiseaux. Enflamme les oiseaux, hein. C'est difficile en plus, tu vois, d'enflammer les oiseaux, c'est le jeu qui te le dit. Hein. Mais c'est pas des oiseaux, c'est des mouches. C'est difficile parce qu'ils s'en vont en fait. Et en gros, je vais tourner en rond comme ça jusqu'à ce que j'arrive à en avoir. Mais oui. Incroyable. Montre-toi plus malin que... Ah mince. Ah oui, d'accord. J'ai sauté, mais ça a pas marché. Mais il veut pas sauter, en fait. Moi, je pensais que je pouvais faire... Bah oui, je peux le faire. Bah alors, pourquoi tu veux pas, Spyro? Non, je veux pas. Aïe, le mur. Il a tout pris. Oui.
Et du coup, je suppose que t'es obligé de les prendre à revers, les deux premiers. Bah là, ils sont retournés au début. Attends, ah, ils étaient là! Ah, ils ont ressuscité! Attends, ils ont vraiment ressuscité? Je suis retourné à zéro? Bah, ils sont quatre maintenant. Mais oui, j'ai pas le droit de me balader en même temps. Mais ils ont ressuscité comment? Ils ont fait des enfants, les deux premiers? Oh! C'est bon, le rythme, il est là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont moches! Ah, bah c'était... Hein? C'est des mouches. Ah... Bravo! Tiens, prends ce machin que j'ai déterré hier. Merci, monsieur. Il l'a déterré hier. Fantastique! Je pense que c'est ce qui conclura la vidéo d'aujourd'hui, parce que ce monde n'a pas l'air terminé, en fait. Ah non, 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 bah non, il y a t'as qu'une boule sur les toits. Bah oui, donc je vais m'arrêter là. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour la suite. Salut!